Messieurs, dames, amis, fanatiques, yo, go bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est mercredi 26 juin 2024. C'est toujours merci Dieu, Namikoa, et pour informer. Et moi, pour te pour nous quelques parmi nouvelles qui a dominé l'actualité. 24 ans après le débarquement dans le pays d'Haïti, le premier contingent militaire pays Kenya, qui environ 400 et policiers Kenya, et gagné et premier ministre pays d'Haïti docteur Gary Corny et directeur général AI et police nationale là et Ramon Ormil et mais yo té visité et bien et base côté policier qui n'a retrouvé et qui c'est aux alentours de aéroport international et Toussaint Louverture et bien c'est là que base l'a trouvé en attendant. Eh bien, et nous pourrons permettre de vivre et dans la vidéo ça, eh bien, comment l'ambiance la terre, et c'est plusieurs fonctionnaires dans le gouvernement et Gary Corny là qui t'a accompagné le matin en bien bonheur. Eh bien, on a regardé comment l'ambiance là, et mesdames et messieurs, eh bien, côté Nexa au Vini pour capable et Vinoué si vous capable de mettre la paix dans le pays là, et face à et groupe gang et vivant ensemble. Et bien qui t'a fait et peuple a monté yon marche fait et surtout gen information qui t'a voulu faire quoi gen en pile et petit soldat yo et bien qui commence la pied yo et bien mesdames et messieurs on a regardé comment ça y est image que nous pour regarder là et bien c'est Courtoisie Télé Guinée chaîne 18 qui a fait un gros travail dans et communauté a. Et bien on a regardé mesdames et messieurs comment ça t'est matin dans aéroport international là tout seul ouverture côté et base et policier Kenya ont trouvé. We have deployed
Je viens là aujourd'hui pour constater, messieurs, là, c'est le premier contingent. Ils ont paré, ils sont solides pour accompagner et supporter la stratégie haïtienne pour nous reprendre la sécurité, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Nous, messieurs, là, ils ont décidé de déterminer. Nous remercions encore le Kenya, le président kenyan qui prend engagement personnellement pour supporter nous, peuple kenyan qui campait derrière nous, qui campait avec nous. Ce sont des remarquables, évidemment, tout. Et docteur Juma lui-même qui fait voyage là, saute juste l'autre bois, plus de 12 000, un voyage excessivement long pour venir là avec nous, pour le constater. Donc moi-même, je crois que nous, à la veille d'un nouveau départ, moi des populations haïtiennes pour être vigilants, pour être confiants, nous travaillons avec partenaires nous avons engagement de tous les partenaires nous avons plusieurs pays qui peuvent faire partie de contingents qui viennent supporter nous. Nous avons plusieurs nations qui sont engagées à nos côtés pour nous reprendre le pays. Nous. Donc, nous n'avons pas avancé. Les populations ont continué avec une patience. Nous voulons que le reste vigilant n'a pas avancé. Nous devons nous constater nous-mêmes que l'appareil en marche, nous n'avons pas avancé. Nous avons reprendre le pays, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Soit fait chiffre là, je vais demander pour des questions de sécurité évidentes. Je suis tellement intéressé pour nous dire combien de monde nous avons. Pour des raisons de sécurité. Même qu'a dit nous que le très significatif, et même qu'a dit nous que nous déjà prenons disposition pour nous pour que régulièrement chiffre là monte jusqu'à ce que nous ayons capacité pour nous supporter la police. En ce qui a trait à gens nous même n'a traité force de police, nous déjà en discussion avec DG la police là pour nous prendre toute disposition pour que les policiers nous ayons tout ça au besoin pour être capable de faire opération. N'a gardé toute n'a pour nous remettre toute bagaille sous table là pour nous comment nous assurer nous que policiers nous ont capacité environnement support et appui au besoin pour être capable de faire travail comme d'opération opération pas jamais suspend police nationale a travaillé 24 heures sur 24 et pas plus tard que hier me supposé qu'on gagne que n'a travail donc m'ta voulez nous comprendre ça m'ta voulez clair hein? Police nationale nous avec l'armée d'Haïti a travaillé c'est comme ça que nous sécurisons l'aéroport c'est comme ça que nous sécurisons l'autre site c'est comme ça que nous n'a pas arrêté nous kembe bandits sur la défensive nous pas jamais suspendre travail et vous voulez reconnaître effort monsieur police nous qui perdu la vie parce qu'il a essayé de protéger et défendre le peuple haïtien. Ça peut arriver qu'on y a, c'est vrai, n'a pas les policiers plus capacité ou t'es là où est nous avons 455 et nouveaux policiers qui pourraient jouer une force spécialisée, on a continué à préparer tête nous et je dis avec appui ça, première série d'appui ça et appui pour le venir, on a encore mieux équipé pour nous reprendre pays nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. C'est pas bien.